Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que ça, David a témoigné là? Est-ce que en réalité, il vit? Est-ce que David a accompli des exploits dans la ville? Il y a un bagage nous t'aimer attirer attention sous le matin. Hein? C'est le témoignage de la vie de David. C'est vrai, le texte dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Ici, David a parlé de la communion entre les frères qui mettaient confiance dans le Seigneur. David a parlé de le peuple d'Israël dans son ensemble qui accomplit des exploits à la gloire de Dieu. Mais et David lui-même, ça nous capable de dire de propre expérience parlée. Est-ce que ça David a témoigné là? Est-ce que en réalité il vit? Est-ce que David a accompli des exploits dans la ville? Donc, nous pourrions faire simplement un survol pour même sur les exploits de David ou bien quelques exploits de David. Mais il y a une bagaille qui est fondamentale. La qualité exploit David pour accomplir, c'est l'adoration. David, un adorateur de Dieu. Et c'est là où la vie de David commençait à accomplir des exploits. L'adoration dans la vie de David est quelque chose de spécial parce qu'il dédie au seul vrai Dieu. Donc, pour accomplir des exploits et pour confesser avec Dieu, nous ferons des exploits, il faut être avant tout un adorateur du seul vrai Dieu. Jésus t'a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. David expérimentait l'adoration et les exploits de David commençaient dans son ministère d'adoration à Dieu. De pouvoir pas adorer mon Dieu a fait pour vous-même, avec vous-même et non vous-même, sans pas t'espérer. L'adoration a changé la vie. L'adoration a fait accomplir des exploits. L'adoration signifie donner la priorité à Dieu dans votre vie, dans toutes les situations. L'adoration veut dire pas bailler rien la première place dans la vie, que seulement le seul vrai Dieu. Glorifier Dieu, louer Dieu, adorer mon Dieu. Et me garantir, avec Dieu, vous ferez des exploits. Dans un premier temps, la Bible présente nous David comme le berger. Dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. David est le berger. D'ailleurs, il est le plus petit de sa famille. Il trouvait lui à garder les moutons de la famille. Mais là déjà, bon Dieu fait que serviteur a commencé à accomplir des exploits. David, à l'âge de 17 ans, l'Éternel est avec lui. Il commence à accomplir des exploits. Ça montre nous qui ça? L'on vivre avec le Seigneur, l'on marcher avec Dieu et Dieu marcher avec vous-même, quel que soit mon nom, pas de l'âge pour accomplir l'exploit. C'est confiance dans mon Dieu, c'est la foi dans mon Dieu qui a mesuré la qualité exploit que vous pouvez accomplir. D'où, bon Dieu fait David grâce. David dit, l'elde est mouton, yo, l'on lion vini, l'on louse vini, et mais bon Dieu bali, la capacité pour tuer lion pour lion pas envahir troupeau. David dit bon Dieu fait le terrasser le lion et l'ours. Ça déjà un exploit de David. Donc David li konn sa la témoigner, il dit avec Dieu nous ferons des exploits. David déjà accompli des exploits contre les animaux sauvages. Bien-aimé, malheureusement présentement, na vie des situations, certains hommes tournent des animaux sauvages. Yo vle détruire nous. Si la capé de ou nan situation, ça pour sortir plus que vainqueur, c'est l'Éternel des armées. C'est lui-même qui a fait accomplir des exploits contre vos adversaires, contre les loups. Bon Dieu, capable de camper ensemble avec vous-même. D'où David déjà a commencé à accomplir des exploits. Nous jouons que parmi les exploits de David, et ça est très important, David pral déjà gagné l'autorité sur les mauvais esprits. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 19 à 23, le roi Saül, malheureusement, dans la dimension de la vie, un mauvais esprit vient accaparer de la vie du roi. Et qui est-ce dans tout le royaume qui pral gagné l'autorité sur le mauvais esprit dans la vie de Saül, c'est David. Ça, c'est déjà un exploit. Et le mauvais esprit, ça apprend Saül, il y a un seul monde qui est capable là
pour calmer mauvais esprit là. Dans l'époque ça, c'est seulement David. C'est déjà un exploit. David a autorité sur les mauvais esprits. Les bons dieux ont autorité sur les mauvais esprits. C'est déjà un grand exploit dans la vie. Et sont garantis que la Bible bail à tous les chrétiens. Le Seigneur dit, vous avez le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez le pouvoir sur les mauvais esprits. Et mais maintenant, bien-aimés, nous sommes un monde tout à fait spécial. Ou capable et ou doit accomplir des exploits. Nous parlons que l'Éternel pral protéger David contre même Saül. À plusieurs reprises, Saül sentit li gon mauvais rival. Li pas d'accord que parce que maintenant, li te gen petit garçon, li Jonathan qui t'a devine succéder au trône, mais qu'on y a connaît c'est l'Éternel qui choisit David. Li pas d'accord bagay ça. La jalousie, la haine. Il prend épée, il tire à plusieurs reprises derrière David. Mais l'Éternel était là. L'Éternel a protégé son serviteur David. 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 11. Donc Dieu est la meilleure protection. Dieu vous protège. C'est déjà un exploit. Et en pile fois, nous ne connaissons pas exploit ça, non? Parce que nous ne connaissons pas la quantité de l'ennemi que nous gagnons. Nous par contre une quantité de flèches qui tirent derrière nous. Mais heureusement, notre Dieu, il est avec nous. Dieu protège son serviteur. C'est déjà un grand exploit. 12 ans, moi. Chaque coup sorti ou rentré dans la rue difficile, ça, c'est un exploit. Chaque coup dormi ou levé, ou par contre combien attaque l'ennemi a fait, c'est un exploit. Ou fait pour bon Dieu, action de grâce. Yon l'autre exploit de David. David li mène l'ange de l'Éternel dans la tente de l'Éternel, dans le sanctuaire de l'Éternel. Pas oublier, l'ange de l'Éternel symbolisait la présence de l'Éternel. Et nous connaissons à un certain moment, les Philistins, ils étaient saisis, ils étaient accaparés de l'ange de l'Éternel. Qu'on y a si là qui pourra chercher l'ange de l'Éternel là, bon Dieu fait grâce, c'est David. David ramène l'ange de l'Éternel et l'ange de l'Éternel, c'est symbole de non seulement la présence de Dieu, mais la victoire pour le peuple. Dans 1 Samuel chapitre 6 verset 17, eh bien, serviteur a accompli un gros exploit. Il ramène l'ange de l'Éternel dans la tente de l'Éternel. Li mène présence bon Dieu dans peuple parmi peuple là, li mène présence bon Dieu dans nation, li mène présence bon Dieu bay si là yo qui était en désespoir et les peuples là ouais l'ange de l'Éternel a entré, yo lancé des cris de joie, des cris de contentement parce que présence bon Dieu tournait. Son bel bagay oui, l'on maison ou ramener la présence de Dieu dans la maison, l'on l'église ou ramener la présence de Dieu dans l'église, l'on travail ou ramener la présence de Dieu dans ce travail, l'on bus ou ramener la présence de Dieu dans ce bus, l'habiter son quartier ou ramener la présence de Dieu dans ce quartier, l'on relation ou ramener la présence de Dieu dans cette relation, c'est un exploit extraordinaire parce que là où est la présence de Dieu, là est la victoire, la joie, là où est la présence de Dieu, là où est la victoire, mes bien-aimés. David était toujours à chercher la face de Dieu. David était cultivé la crainte de l'Éternel et bon Dieu te bail à serviteur là. Le privilège pour accomplir ce grand exploit, ramener l'arche de l'Éternel dans la tente de l'Éternel. En réalité, il y a un grand exploit que en pile monde parlait, n'a pas en dernier parce que c'est pas lui-même seulement gagné, c'est la victoire de David contre le géant Goliath. Mais même moi me dis bagarre dans l'autre façon parce que spirituellement c'est consalié le géant David face au petit Goliath parce que mon l'Éternel ensemble avec lui a li pas petit li grand et ça qu'elle dit celui qui est avec nous est en plus grand nombre que ceux qui sont avec l'ennemi. Donc spirituellement mon cap garder texte là c'est le géant David face au petit Goliath l'or avec l'Éternel ennemi apparaît petit l'or fixe ses yeux sous bon Dieu l'ennemi apparaît tout petit donc c'est le géant David. Et seul monde qui a un yeux spirituel capable de comprendre cette réalité. Dans 1 Samuel, chapitre 17, parle d'un grand combat. Mais bon, j'en bagaille avant tout. Goliath, pendant 40 jours, il a terrassé
l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, Goliath a fait peur à tout peuple là, selon 1 Samuel chapitre 17 verset 11. Goliath son géant qui te mesurait 3 mètres. Ce géant Goliath lui mesurait 3 mètres. La tête lui comme armure, lui gon casse d'airain. Li gon armure pour la guerre, li gon bouclier, li gon lance, li gon l'épée. El Shaddai maudit le peuple d'Israël et bagay ça te fait peuple d'Israël peur. David, il était jeune. D'ailleurs, je dis David ou pas grand qu'une expérience dans l'armée ou son civil. Et réalité a David pas capoter l'armure des soldats de l'armée d'Israël. David son civil, il n'a pas d'expérience de la guerre. Officiellement, il n'a pas d'expérience de combat. Saül dit, ou pas d'expérience de combat. Frère David dit, ou pas d'expérience de combat. Ou voulez faire ou tuer ou. Mais il y a un bagage qui était important. David était avec Dieu et Dieu était avec David. L'or avec Dieu et Dieu avec vous-même. L'ennemi, hein, il a déjà perdu la bataille là. Et David pas gardé grosseur ennemi, mais il fixe ses yeux sur l'Éternel. Et ça fait David dit, au nom de l'Éternel, m'a marché contre vous-même. La certitude de David, nous joignons dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37, David dit, le Seigneur sera avec moi dans ce combat. Donc avec Dieu, je ferai des exploits. Et David va témoigner encore certitude lui dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45. Il dit comme ça, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ici, il y a la foi de David qui va David un courage extraordinaire pour accomplir des exploits. David pas laisser impressionner parce que Dieu est avec lui. David pas paraître comme un monde qui lâche parce que Dieu est avec lui. Et avec Dieu, il a accompli un grand exploit devant le géant Goliath. Ou kon sa gbel la, le David pral atake géant Goliath, li gen lanmen yon ti fistibal avec 5 ti roche. Li pa gen ken amur, humainement parlant, pour protéger l. Mais l'Éternel est avec lui, l'Éternel est autour de lui, l'Éternel est son bouclier, l'Éternel est sa cuirasse, l'Éternel est son épée. Et c'est bel bagay, oui. L'Éternel, c'est zame de combat. Ou. Et David ose dit au grand Goliath, je dis ya, ma ptio. La certitude de David extraordinaire. Et David dit, tout Israël saura que toutes les nations saura que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Et ensuite, David dit que Goliath m'a coupé tête. David n'a pas gagné épée dans main, il dit Goliath m'a coupé tête. Ou qu'on ça David dit, il va le réaliser. David prend l'épée qui était dans main et le Zam qui te l'emmen elmi, hein? L'Éternel mette l'emmen David pour David couper tête Goliath. Donc avec Dieu, David a accompli un grand exploit et c'est vraiment extraordinaire. Mes amis, avec Dieu nous ferons des exploits. Réalité n'est pas besoin trop, c'est que David n'est pas non seulement dit parole là, mais il vit, il a expérience de ça l'abdi. Et c'est belle bagay, oui. Il a expérience de ça ou à prêcher, ou gen expérience de ça ou à raconter, ou gen expérience dans kul ou à bay éternel là, c'est vraiment extraordinaire. David non seulement il a dit avec Dieu nous ferons des exploits, mais la vie de David, son vie de progrès en progrès, son vie d'exploit en exploit, bagay qui pas paraître comme logique, bon Dieu fait ou pour David. Bon Dieu retire David derrière mouton li mette li à la tête du peuple d'Israël. David pas sorti dans famille royale, mais bon Dieu li levé David, li bay David promotion. Donc en réalité tout bon vrai avec Dieu nous ferons des exploits. Famille David te blié. D'ailleurs papa David te dit bon mais cette petite mangue là, li te blié le 8e enfant. Mais Dieu pas jamais blié si là cap adorer li. Avec Dieu, réellement, nous ferons des exploits. Tenez bien, oui. C'est pas avec notre lignée familiale. C'est pas avec nos relations humaines. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Même si l'ennemi a campé. Tu as été campé l'ennemi. D'ailleurs, même famille David te représente l'ennemi. Saül, le roi de l'époque, te représente l'ennemi. Mais avec Dieu, David a fait des exploits. Extraordinaire, bagaille merveilleux. Donc avec Dieu nous ferons des exploits. Ici c'est parmi les exploits de David.
Et au compte ça qui est important sous lit, moi quoi dans 2 Samuel chapitre 21 verset 15 à 22, il y a dit même les hommes qui étaient avec David t'ont accompli des exploits. Entendez-vous? Moun ki zanmi avec moun ka pa accompli exploit, y a pa accompli exploit également. Ça veut dire David ici il tourne en source d'inspiration. David son influenceur positif, un influenceur pour la gloire de Dieu. Les vaillants soldats qui étaient avec David, yo accompli des exploits parce que yo avec un moun qui accompli exploit. C'est belle bagaille, oui. Le gon zanmi qui croit dans la prière, yon zanmi qui met confiance en Seigneur, yon zanmi qu'on habitué à accomplir exploit, li connaît l'Éternel est la source, l'Éternel est la solution. Les ça li c'est un bon influenceur. D'où David a inspiré ses serviteurs. Monsieur, yo pral accompli des exploits parce que yon gon noum qui fait exploit avec l'Éternel, kap influence yo, kap guide yo, kap partager les exploits de l'Éternel ensemble avec yo même. Donc, mes bien-aimés, vous avez besoin de dire et vivre cette réalité avec Dieu. Nous ferons des exploits. Oui, c'est possible. Il était possible pour le petit David, l'oublier de sa famille. C'est possible pour vous également. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Il était possible malgré la quantité des ennemis, des adversaires de David. Avec Dieu, il est possible pour vous d'accomplir des exploits. Malgré toute qualité handicap yo David li pas gagné les éléments essentiels mais avec Dieu bon Dieu t'es guidé serviteur il t'est accompli des exploits donc pour tout ça manqué yo l'Éternel l'a comblé yo et me garantit yo avec Dieu ou accompli des exploits. Dieu vous bénisse mes bien-aimés, que be ferme dans le Seigneur, pas jamblier avec Dieu nous ferons des exploits. Bon la journée, en bas grâce avec protection le Seigneur.